qu'on pourrait cuire des œufs sur le trottoir. Je ne quitterai le bord de la piscine pour rien au monde. Je suis si contente de ne pas être avec Rick aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il participe à un marathon de skateboard pour donner de l'argent au refuge des tortues. C'est génial. Pas si génial que ça. Il fait très chaud. J'espère qu'il va bien. Rick? Salut, Polly. Ça va? Le soleil ne tape pas trop fort pour faire la course? Non, ça va, mais je meurs de chaud. Enfin, je meurs pas pour de vrai, mais je suis en nage. Oh. Insolation? Non, il va bien, il parle toujours comme ça. Tu es sûre que tu veux faire cette course jusqu'au bout? Je n'abandonnerai pas. Les tortues du refuge comptent sur moi. Coucou, Rick. On est dans la piscine. On boit de la limonade. Les filles? Est-ce qu'elle a dit limonade? Elle a dit limonade? Rick a besoin de nous. L'aventure d'aujourd'hui est dont Rick a gardé la tête froide. Qui est avec moi? Moi. Et moi. Je ne quitterai pas la piscine. Je ne partirai pas non plus. Voilà une excellente idée. Envoyez la limonade. Si Rick ne vient pas à la limonade viendra à Rick. N'importe où dans le monde. Lady Synchrony pourrait même venir chanter dans ton jardin. La dernière fois sur son blog, elle portait un chapeau qui avait la forme de... La Tour Eiffel. C'était un indice. On met longtemps pour aller à Paris. Lucie, Lila, tu as vu l'interview qu'elle a donnée l'autre jour? Elle avait des palmiers juste derrière elle. Et on en trouve à Hawaï. Qu'est-ce qu'on attend? Vous n'avez pas compris. Polly, excuse-moi de te le dire, mais tu ne connais pas Lady Synchrony aussi bien que nous. Je crois que je l'ai entendu chanter Sushi, Sushi, Sushi. Oh, moi, je suis une vraie fan. Je vais la rejoindre au Japon. Attendez, les filles. Polly. Quoi? Je ne t'entends pas. Je te rappelle au concert. Lady Synchrony. C'est Polly. Elle dit qu'elle sait où le concert aura vraiment lieu. Tu crois qu'elle a raison? Oh, Polly, on t'enverra une vidéo du concert qui aura lieu à... Aloha, Polly. Pas le temps de discuter. Et aloha, ça veut aussi dire au revoir. Alors, aloha. Allô? Allô? Il a raccroché. C'est vraiment pas juste. Pas de concert à Paris. Rien ici non plus. Il n'y a rien à Hawaï à part des cendres volcaniques. Salut les amis. Si vous n'avez pas envie de m'écouter, vous voudrez peut-être prêter l'oreille à... Lady Synchrony. Lady Synchrony est géniale. Sushi, 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 ouais. Regardez-moi ces montagnes. Hé, hey, vous êtes là? Bien dit, Chrissy. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont dans un endroit magnifique. Puisque c'est comme ça, dans l'aventure d'aujourd'hui, on aura une vraie aventure. Bonjour, Rick. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es perdu? On est dans un parc. Comment veux-tu que je me perde? Nous sommes perdus. Comment pourrait-on se perdre? On est juste à côté du... On est perdus? Ah, qu'allons-nous faire? Continuons à rouler. On trouvera peut-être notre coin à pique-nique. C'est trop tentant. Je ne peux pas résister. Les filles, c'est ici. C'est ici. Les derniers promeneurs qui sont venus pique-niquer dans cet endroit ne sont jamais rentrés pour le dîner. Jamais. Je crois que j'ai entendu parler de cette histoire. On a un trajet. Si je dois me perdre ici, autant me perdre avec élégance et style. Lila, il nous reste encore du gloss? Un seul. Imaginez qu'on ne puisse plus jamais en racheter. Quoi? Combien de temps pourrons-nous tenir avec un seul tube? C'est une véritable catastrophe cosmétique. Hé, Rick, vous
vous êtes perdue? Moi? Non, mais elle, oui. Je voulais juste trouver une aventure. Il ne me reste plus qu'une barre sur mon téléphone. Don, je peux trianguler le signal. Oh non, ça ne marchera pas. Combien de temps vont-elles mettre à se rendre compte qu'on est toujours dans le parc? On leur dit? Vraiment nous asseoir devant. Oh non! Ça s'est plutôt bien passé. Oui, je pars bien. Tu veux dire très très mal. C'est tellement fou que ça pourrait marcher. Tu permets que je te permette quoi? Tu permets que je m'occupe de cette brute? Une bonne fois pour toutes. Et voilà le travail. Oh, reviens l'année prochaine, tu seras peut-être assez grand pour les montagnes russes. J'ai fait pousser pour la grande foire aux tartes et 21 moules à tarte. Oh, il en manque un. Oh, je n'ai plus qu'à aller au magasin et acheter un autre moule. Mais qui surveillera les Obertrouilles pendant ce temps? C'est l'aventure d'aujourd'hui. Protégeons le potager. D'accord, mais surtout fais très très attention aux Obertrouilles. Ne t'inquiète pas, avec moi ton potager n'a rien à craindre. Ton dernier vol d'Obertrouille. Il ne nous reste plus qu'une seule Obertrouille. Kirsty va devenir folle quand elle va voir qu'il n'y en a plus assez pour nourrir. Mais oui, bien sûr. Amène-moi l'engrais. Fais pousser vos légumes en un éclair. Celle-là, tu n'y toucheras pas. Ha ha! Alors, c'est qui le plus malin? Oh! D'accord, c'est toi. Polly! Kirsty, il faut que je te dise. Je ne sais pas comment tu fais tout ça, Polly. Franchement, ça me suffit. Glace à la pistache enrobée de biscuits croustillants dans les 10 secondes. Je crois que je vais devenir... Yeah!
encore un ou deux branchements, je prends le tuyau de... Lorsque j'ai inventé ce nouveau parfum, je n'ai pas imaginé qu'il deviendrait si populaire avant même qu'il ne soit créé. C'est vrai. Il faut être sûr qu'il y en aura pour tout le monde. Polly! Dommage. Oh, celle-ci. Où sont les filles? Tout semble dessert, Polly. C'est une mer de glace. Ah, non, une montagne. On se retrouve en bas. Wouhou! À fond sur la pistache. Et tout ça pour voir le livre le plus génial transformé en... film le plus génial. Mon billet perdu. Le film démarre dans 5 minutes. Allez-y sans moi. Tant pis, je ne mérite pas de le voir. On ne laisse jamais tomber une amie. Vrai. On n'y va pas sans toi. Bah, disons que... Oh, hé, arrêtez ce ticket. Allons-y, vite. Mais où ça? Attendez-moi, j'ai des talents. Dépêche-toi, vite. On grimpe l'escalator qui descend. Ou on descend celui qui monte. Les deux. Je n'ai pas vraiment la tenue qu'il faut. Film dans 4 minutes, mais ça suffira bien. Envoyez la lumière, caméra et moteur. Venez, on a un film à voir. Un des pires films de ma vie. Tout à fait d'accord. Ah oui, à ce point? Pire. Pourquoi personne ne m'a réveillée? Quand la suite sortira, faites-moi penser à perdre mon ticket. Ça vaudra mieux. Je me suis portée volontaire pour préparer les desserts de l'après-concert de Lady Synchronie. Elle peut être tellement tranchante parfois, elle sera capable de me couper en deux. On peut t'aider? On est de vraies expertes en Lady Synchronie, tu sais. Chrissy m'a fait regarder toutes ses vidéos. Et j'ai lu tous ses articles. Kirsty, nous savons très exactement ce qui lui ferait plaisir. Une tarte tignole. Un banana melbar. Un tiramisu. Un baba au chocolat. Mais non, enfin c'est Lady Synchronie. Elle adore le baba au chocolat. C'est le banana melbar ou rien? C'est mon dessert qu'elle préfère. C'est l'heure. Oh, ils ont tous l'air si bons. Je suis vraiment désolée. Mais c'est Lady Synchronie qui devra choisir. Alors ce sera le mien. C'est ça, oui, compte toujours. Tout ça sans la tarte renversée. Non! Qu'est-ce que Lady Synchronie va penser? Je pense que tu as réussi à t'imprégner de mon style inimitable pour faire ton gâteau.
magnifique, brillant. Au moins, nous savons maintenant ce qu'est notre star préférée. Enfin, presque. Simple, je veux des photos pour les mettre dans mon album Meilleure Amie. On nous y verra toutes super souriantes et super copines, alors n'oubliez pas de sourire. Si je vous ai donné un plan de la cabine, c'est pas pour rien les filles. Alors on reprend, ici Shani, Kirsty, Léa, Lila, moi, et pour finir Pauline. Oh, c'est bon, laisse-nous passer maintenant. Hé, hey, qui a appuyé sur le bouton? Oh, franchement pas drôle. Une minute, je vais réparer ça. Oh, tu répares super vite. Sauf que ton œil, c'est absolument pas ce que je veux. J'y retourne. Ah, sois zen. Cool. On reste calme. Oh, c'est bon. Préparez-vous. Cheese. Mais je croyais que tu l'avais réparé. Ce sera pour la prochaine fois. Je ne veux pas les voir dans mon album. Chrissy, tes cheveux sont un peu... Franchement, tu pouvais pas espérer mieux, Chrissy. C'est tellement nous. En plus, on rigole bien. Montre-les-moi encore une fois. Rien de tel que de bonnes photos entre copines pour redevenir copines. Pas eu peur. On connaît tes blagues par cœur, Polly. Tu peux plus nous avoir. J'ai renversé mon popcorn à cause de toi. Vous êtes sûre de ne pas avoir eu peur? Plus de courant. Allez, détends-toi. Désolée, mais j'ai pas eu peur du noir non plus. Moi, je serais pas contre une petite lampe torche. Je vais te chercher ça. Trop nul. Moi, je m'en vais. Oh, je te suis. Allez, quoi? Je croyais que vous connaissiez toutes mes blagues. Je récupère quand même la lampe. Et le popcorn. C'était drôle, non? Non? Désolée. Oh, je ne le ferai plus, promis. Bon, il n'y a rien qui me fait peur à moi. Hein? D'accord, ça me fait un peu peur. Rick, les filles, quelqu'un. On t'a bien eu. Oh, d'accord, je dois l'admettre, je ne connais pas encore toutes vos blagues. Bien joué. Chacun de mes anniversaires, mes amis cachent mes cadeaux. Mais je les trouve en un clin d'œil. Je l'admets, je ne suis pas patiente. Mais ils s'améliorent pour les cacher. Ah ah! J'adore cette chasse aux cadeaux.
Rick, Polly va certainement fuiner par ici. J'ai donc caché son cadeau dans mon endroit favori. Lila, son endroit favori. Oh, la galerie marchande. La galerie marchande, tu exagères, Lila. Trop facile. Alors j'ai caché le cadeau au sommet du mont Overlook où il sera à l'abri de la beaucoup trop curieuse Polly. Shani. Ils ne savent pas à qui elles ont affaire, non mais... Ah, trop facile. Enfin, pour moi en tout cas. Encore un changement? Le cadeau de Polly se trouve chez Polly. Malin! Surprise! Joyeux anniversaire! Tu as aimé ton cadeau? Mon quoi? Quel cadeau? C'est un cadeau que tu ne pouvais pas trouver. L'aventure! On y a passé beaucoup de temps, tu sais. Ah! Vous voulez dire que cette chasse au cadeau, pleine de rebondissements, c'était ça mon cadeau? Mais oui! T'as aimé? Et c'était mon idée! Mais pas du tout! C'était notre idée à tous! J'espère que ça t'a plu! En fait, ils savent parfaitement à qui ils ont affaire et c'est de loin le plus beau cadeau que j'ai jamais eu! Dépêche-toi, on est en retard. Dans 30 minutes à peine, la lumière du soleil frappera la cascade et je vais manquer la photo parfaite. On ne peut pas randonner habillé comme ça. C'est pas la peine de prendre une photo si on ressemble à rien. Et ça sert à rien de bien s'habiller si on ne peut pas prendre de photo. Léa veut une bonne lumière, Lila veut de bonnes chaussures et moi je veux la grande aventure. Oh, raccourci, c'est bien ça. Raccourci au beau milieu des ronces qui piquent et déchirent mes vêtements. Oh, tu peux être fière de toi. Je le suis. Ça marche aussi par en dessous. Mais où tu vas? La première en haut a gagné. Ces chaussures ne sont pas faites pour ça. Ni pour ça. Est-ce que t'as d'autres idées comme celle-là? Le meilleur est à venir. Tu es pleine de surprises. Juste attends. Non, ça va pas du tout. Vous avez vu ma tenue? Attention, le déclencheur automatique. J'ai une idée. Maintenant, tu es parfaite. Parfaitement dégoûtante. La photo est parfaite.